Bonjour, bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 juin 2024. Je suis actuellement à Sokodé et je suis tombé sur un hôtel hier nuit que j'aimerais vous présenter. En général, lorsque je viens à Sokodé, je reste souvent à l'hôtel Solim. Mais hier nuit, j'ai pensé faire une recherche pour voir s'il n'y a pas autre chose et je suis tombé sur cet hôtel, hôtel La Mirelle. Actuellement, je suis au restaurant de l'hôtel, restaurant et piscine, comme vous pouvez le voir derrière moi. Je vais essayer de vous faire une petite visite de l'hôtel. Je vais commencer par le restaurant ici et on va avancer au parking et à l'hôtel même derrière que vous pouvez voir. Il y a le bâtiment derrière et je vais vous montrer ma chambre. Donc, sans tarder, allons-y. Donc, comme je viens de le dire, le nom de l'hôtel, c'est Hôtel La Mirelle. Comme vous pouvez le voir écrit sur le mur là. Voici la piscine pour les petits. Et là-bas, la piscine pour les grands. Et là, au fond, c'est le bâtiment de l'hôtel. Apparemment, l'hôtel est en train d'être agrandi. Comme vous pouvez le voir de l'autre côté, il y a un bâtiment en construction. Et aussi, bon, quelque part derrière le restaurant ici, il y a aussi un autre bâtiment en construction. En ressortant du restaurant, je vais vous montrer l'autre bâtiment. Donc ici se trouve le restaurant. J'y étais hier nuit. L'ambiance était très cool. Il y avait assez de gens. Il y avait quand même assez de gens. Et la nourriture est très bonne. La nourriture est très très bonne. Il y a des gens actuellement. Donc je ne veux pas rentrer vous montrer l'intérieur du restaurant. Mais attendez un moment. Je vais essayer de voir si je ne peux pas montrer ce côté. Voilà. Juste une partie du restaurant. Voilà. Et on avance. Je suis vraiment surpris hein, par le cadre, la qualité d'exécution des choses. C'est très beau. Ici, il y a un parking. Vous pouvez garer les voitures ici. Hier, il y avait plein de voitures garées. Surtout des gens qui étaient venus manger au restaurant. Et voici le bâtiment dont je vous parlais. Le deuxième bâtiment en construction derrière le restaurant. Voilà. Voilà la piscine. La piscine de l'hôtel La Mirelle est opérationnelle tous les jours de 8h à 18h. En dehors de 16h, l'hôtel décline sa responsabilité en cas d'accident. L'accès à la piscine est exclusivement réservé aux détenteurs de tickets d'entrée ou de cartes d'abonnement, etc., etc. Par ici se trouve une plaque de l'hôtel rapide. Je vous montre ça rapidement. Hôtel La Mirelle, le chic dans la simplicité. Hébergement, restauration, bar, piscine et salle de conférence. Contact 25 50 50 74 99 58 69 68 70 99 59 59. Voilà. On avance. Donc on va sortir du parking interne et du restaurant pour aller à l'hôtel même. Bonjour, comment ça va? Bien, bien. Je fais une petite vidéo là. Ah,
À tout de suite. Voilà. Je crois que cet espace aussi peut être servi, peut servir de parking. Il y a assez d'espace, c'est pavé partout ici. Il y a un terrain de sport à côté. Je crois que ce sont des gens qui sont venus faire du sport. C'est le bruit que vous entendez actuellement. Si un terrain à côté, vous pouvez le voir là. Il y a un terrain là. Et la nationale numéro 1 se trouve juste là. C'est pas loin du tout. Peut-être 150-200 mètres se trouve la nationale numéro 1. Vous pouvez voir les voitures passer. Voilà, les motos. Voilà. Donc, voici la façade de l'hôtel, de l'entrée de l'hôtel. Vous pouvez voir ma voiture garée là. Voir si je peux pas montrer tout l'hôtel là. Comment je... Oups. Voilà. Voilà. Voici le bâtiment de l'extérieur, du côté principal. Voilà. On avance. Donc, ils ont bien fait de paver. Le secteur de l'hôtel est complètement pavé. Et donc, ça garde l'endroit propre. Vous pouvez garer les voitures un peu partout ici. Et voici le nom de l'hôtel, Hôtel La Mirelle. On va rentrer à la réception. Donc, il y a le paiement par carte est possible ici. Carte Visa ou guide UMOA ou Mastercard, c'est possible. Et voici la réception. Et les tarifs sont juste là. Donc, vous avez les chambres communicantes à 12 500. Les standards à 15 000, les standards plus à 20 000, le privilège à 25 000 et la suite à 35 000. Donc au cas où vous voulez le petit déjeuner compris, il y a un extra de 2 000 qui s'ajoute. Voilà. Donc par ici se trouve une terrasse. Du premier étage, du premier niveau, disons, un espace de relaxation. C'est vraiment propre, hein, c'est vraiment beau. Et vous pouvez toujours passer par ici pour aller au restaurant. Le restaurant se trouve juste là. Et je ne veux pas montrer les visages, donc je ne peux pas montrer les clients, le staff de la réception. On va monter à ma chambre. Là, au premier niveau, vous avez les chambres de 1 à 5. Il y a les toilettes visiteurs par là. Ma chambre est la chambre 104. Donc, je monte par là. Par là, au moins je montre un peu le couloir. Là, c'est ma chambre, mais je vous montre rapidement les autres couloirs. C'est calme.
Et voici ma chambre. Donc voilà. Là, c'est le lit. Bon, avant de continuer, ceci c'est une chambre de 25 000. Quand je suis arrivé hier, il n'y avait plus de chambre standard. Les standards à 15 000, il n'y en avait plus. Il y avait des chambres communicantes. Je crois qu'elles sont à 12 500. Mais bon, j'ai visité les chambres communicantes. Elles sont aussi très propres et très cool. Sauf que la salle de bain, il y a une salle de bain pour deux chambres. Donc, deux clients se partagent la même salle de bain. Ce que je voulais pas. Donc finalement, j'ai décidé de... Faut que j'allume là. Voilà, j'ai décidé de prendre la chambre privilège à 25 000. Bon, des fois, il faut bien se faire plaisir. Hein, la vie est courte. Donc, j'ai vraiment adoré. J'adore le cadre. La propreté, le design, le calme. J'ai déjà dit le calme, je crois. Disons que c'est une chambre qui me plaît vraiment beaucoup. J'étais très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Et j'ai bien dormi. Donc, il y a le lit là. Je commence là, vous avez un grand lit. Il y a une table pour travailler ou bien prendre le petit déjeuner. Il y a un réfrigérateur, un chauffe-eau, une tasse et du thé. Vous avez un fauteuil, un endroit pour poser les bagages, une armoire, là j'ai mes trucs à l'intérieur, et la salle de bain. Se trouve là, il y a un chauffe-eau dans le petit couloir qui donne accès à la salle de bain. Voilà. Il y a un peu de bruit parce que j'ai ouvert les fenêtres. Lorsque les fenêtres sont fermées, c'est très calme. Voilà.
donc hôtel La Mirelle, au cas où vous seriez intéressé ou au cas où vous passeriez à Sokodé, vous aimeriez un hôtel décent et assez luxueux. Voilà.